Romain. Salut Vincent. On rentre dans le plat directement. Content de t'avoir parce qu'en plus, on va raconter dans une deuxième partie pour raconter un peu nos vies. On se connaît d'avant, on était concurrents dans une autre vie. C'est ça. Mais aujourd'hui, on est venu pour parler de quoi? On est venu pour parler de ta Tesla Model 3 Performance. Exactement. Présente-la nous, dis-nous un peu ses caractéristiques et surtout ce qui change par rapport à la Tesla Model 3 Propulsion que tu avais avant. D'accord. Écoutez, j'ai eu en fait un vrai coup de cœur quand elle est sortie. Ça, c'est la config vraiment de lancement, donc rouge, ce qu'on appelle le ultra red, intérieur blanc. Quand elle est sortie, voilà, j'ai flashé dessus, j'ai attendu un mois et demi que les journalistes un peu en fassent l'essai pour essayer de comprendre si voilà, il n'y a pas de défaut majeur, etc. Et quand j'ai eu confirmation qu'elle était au poil, alors j'ai passé commande via d'ailleurs PCA Services, on en parlera peut-être un peu après. Ouais. Voilà, et donc Jean qu'on embrasse. Voilà, donc là c'est la version performance, c'est-à-dire que vous êtes donc propulsion, long range, performance. Donc là on est sur 460 chevaux. La différence c'est que vous avez, alors par rapport à la version précédente, ils ont à la version précédente lancé les trois en même temps, c'est-à-dire qu'ils ont lancé au même moment la propulsion, la long range et la performance. Là, ils ont lancé, quand ils ont fait le facelift, donc ce qu'on appelle le Highland en 2024, ils n'ont pas lancé la performance en même temps que les autres, ils ont attendu quelques mois pour vraiment en faire une version spécifique, puisque c'est vrai qu'il y avait assez peu de différence entre, dans les anciennes versions, la performance et la long range, etc. Là, ils ont vraiment fait un travail spécifique sur la performance. Bah là, esthétiquement, en fait, moi, je m'y attendais pas. Je suis pas le plus grand connaisseur de Tesla, mais je commence à en avoir conduit quand même quelques-unes. Là, en fait, tu la vois arriver, tout de suite, tu vois la différence, que ce soit par les jantes, par l'avant, c'est ce qui change un peu, tu vas nous l'expliquer. Tout à fait. Mais toi qui avais l'ancienne, dis-nous qu'est-ce qui change un peu esthétiquement. Alors, moi, j'avais pas l'ancienne performance, j'avais l'ancienne propulsion. Oui. Mais là, la grande différence, effectivement, entre la version performance et les autres, c'est que vous avez des jantes en 20 pouces forgées. Oui. Spoiler avant est différent, le diffuseur arrière également est différent. Ils ont été retravaillés pour avoir une meilleure stabilité à grande vitesse. Le châssis est un châssis sport spécifique avec un amortissement adaptatif. Les sièges sont également des sièges sport spécifiques à la version performance. Il y a des éléments de design également à l'intérieur. Et à l'arrière, tu vois le fameux aileron en carbone qui est spécifique à la version performance. Et pareil. Alors là, tu vois, je suis à l'arrière. Et donc, il suffit d'être à l'arrière pour que le coffre s'ouvre. Il y a eu trois petits bips, si tu les as entendus. Oui. Et le coffre s'est ouvert. Tu as combien d'autonomie là-dessus sur la performance? 528 km. 528 km, tu fais en utilisation réelle, tu as testé sur autoroute, parce que tu viens de la recevoir. Oui, oui, c'est assez fiable. Tu enlèves 300 km non, tu enlèves entre 5 et 8%. Voilà. Okay. Mais alors sur autoroute, oui, sur autoroute, comme tous les véhicules électriques, tu as une autonomie qui est plus faible qu'en ville puisque tu es à l'heure constante. C'est l'inverse d'une thermique. Voilà, exactement, c'est l'inverse. Donc tu ne freines pas, tu ralentis pas, donc tu ne régénères pas. Ça veut dire que tu vas faire 350 km. C'est ta deuxième Tesla. Tout à fait. Avant, tu avais des BMW. Exactement. Pas que des BMW, mais t'en as eu quelques-unes. Mais j'étais un fan de BMW. Le point commun à tout ça, c'est le plaisir de conduire. Et moi, mon vecteur et mon critère de choix, c'est le plaisir de conduire. Ça veut dire que il y a des gens qui vont acheter un électrique par rapport à l'économie, par rapport à l'écologie. Chacun va avoir ses critères. Moi, la façon dont je choisis mes véhicules, c'est le plaisir de conduire. C'est ça qui est intéressant dans ton discours, parce qu'il y a peu de gens qui en parlent et c'est un très bon point. Exactement. Et c'est pas la peine d'avoir une performance pour avoir du plaisir de conduire au volant. Moi, avant, j'avais la propulsion. Ouais. J'avais beaucoup de plaisir à la conduire au quotidien, mais vraiment. Hein, tu l'as même emmené en drift. J'ai vu sur une chaîne. Ça m'est arrivé effectivement de faire un peu de drift avec. Je fais un peu de drift. Ouais. Mais j'ai fait du drift beaucoup sur M2 et sur le thermique, et j'en ai fait un peu avec l'électrique, et ça fonctionne aussi. Et en BMW, tu n'avais pas des petites BMW? Non. Parce que je crois que de mémoire, tu ne m'édiges pas une 335i? J'ai eu une 335i. Une M5 E60? Juste avant, j'avais M5 E60 en V10, donc qui était vraiment collector, qui avait 75 000 km, qui était vraiment un truc de collectionneur. Et donc le point commun à tout ça, c'est vraiment la passion de la bagnole, et la passion, le plaisir qu'on éprouve à conduire des bagnoles. Donc, c'est pas parce qu'on est en électrique qu'on perd ça. Au contraire d'ailleurs, au contraire, parce qu'en fait, on a beaucoup plus de couples en véhicule électrique. Le silence peut gêner certains, mais au quotidien, c'est quand même assez agréable. Okay. Et la capacité est vraiment à gérer l'accélérateur. En fait, tu freines pas quand tu conduis en électrique, tu freines jamais, puisque, enfin, tu freines jamais. Tu ralentis, mais en fait, il suffit de lever le pied pour effectivement décélérer, régénérer l'énergie. Ouais. Et en fait, tout ça, c'est un ensemble de paramètres qui fait que tu as un plaisir de conduire incroyable. Et là, avec la performance, en plus, tu as de la perf spécifique quand tu veux vraiment t'amuser. Avant de parler, on va prendre le volant, on va les rouler un peu avec, etc. Et on va en parler aussi de Jean, parce que tu l'as acheté chez PCA. L'expérience d'achat, le délai de livraison, et la réception. C'est souvent décrié. C'est-à-dire que souvent, tu vas récupérer ta voiture sur un fond de parking. L'expérience n'est pas bonne. Je ne l'ai jamais fait. C'est vrai, c'est faux, ça a un impact sur ton expérience de client? En vrai, non, si tu es un peu geek et si tu es à l'aise avec l'outil informatique et l'outil… voilà. Si effectivement tu n'es pas du tout à l'aise avec ça, tu vas avoir besoin d'une mise en main, d'un accompagnement. Oui. Et selon le centre de livraison, selon l'affluence qu'il y a au centre de livraison, tu vas pouvoir bénéficier de ça ou pas. Donc si tu prends ton véhicule en fin de trimestre à Charenton, ils vont te laisser 10 minutes et tu vas pouvoir poser quelques questions, mais ils ne vont pas te faire une mise en main comme font les constructeurs historiques dans chez un concessionnaire. Tu vas chez Renault, BMW, Mercedes, ouais, Peugeot. Ouais. Et ils sont censés le faire, ils ne le font pas toujours. Ils le font pas tous. Mais en tout cas, aussi décrié. Mais ils le font déjà. En tout cas, un peu plus. Voilà. Là, chez Tesla, c'est un esprit différent. Moi, celle-là, j'ai pris livraison à Maurepas. J'ai eu tout le temps qu'il fallait. Parce que tu n'es pas arrivé en fin de trimestre. Pourquoi tu parles de fin de trimestre? C'était souvent des promotions en fin de trimestre. Exactement. Pour Tesla booster ses ventes. Exactement. Parce qu'il y a en bourse les chiffres qui vont tomber. Exactement. Et quand ils n'ont pas atteint le quota, ils envoient de la promotion. Mais si tu visionnes des vidéos explicatives sur YouTube, si tu te documentes suffisamment, et le mieux étant que quelqu'un qui possède une Tesla te montre et t'initie. Si tu as ça, tu n'as pas besoin le jour J d'avoir ça. Et je regarde des vidéos sur YouTube. Bien sûr, mais moi j'ai fait beaucoup ça avant de passer. Mais c'est vraiment quelqu'un, c'est un ami à moi qui m'a fait essayer la Tesla et pas uniquement en passager. Il me l'a fait conduire. Et dès que je l'ai conduite, j'ai compris. Okay. J'ai compris. Là, j'ai eu un déclic, j'ai fait waouh, c'est quoi ce truc? Ça te télétransporte entre deux stops, entre deux feux rouges. Voilà. Là, j'ai eu un déclic. Prix à neuf, ça vaut. Toi, tu vas expliquer après, on en parlera après de Jean. Mais toi, prix à neuf, comptant, ça coûte combien? Ça vaut 55 avec. Mais cuir blanc est une option et la peinture rouge est une option. Donc en gros, j'étais à 58. Ouais. Et là, je pense que c'est 60 maintenant parce qu'il y a eu la hausse des droits de douane, tu sais, oui, avec 2000 euros de plus. Donc là, pour les importations, c'est fabriqué en Chine. Ouais, elle n'est pas éligible au bonus écologique. Exactement. Et de toute manière, elle est au-dessus des 47 000 euros. Donc quoi qu'il arrive, elle n'y aurait pas été éligible quoi qu'il arrive. On a une tradition, c'est les trois petits points. Quels sont les trois petits points que tu aimes bien sur ta voiture? C'est à toi qu'on demandait ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il veut me faire parce que moi, déjà, il voulait me la faire. Non, mais moi, je suis fan. J'ai une peau cassée. Alors, d'accord. Là où je suis surpris, c'est que dans ma mémoire, je ne sais pas pourquoi, je trouvais que la Tesla Model 3 Performance, la performance n'était pas suffisamment marquée en termes d'esthétisme par rapport à la propulsion ou à la long range. Là, ils ont rectifié. Et là, je trouve qu'ils ont rectifié le tir et on ne tombe pas non plus dans le tuning. Parce que je trouve qu'ils ont eu le bon dosage entre faire un spoiler avant avec une sorte de lame qui donne un côté plus sportif. Moi, je n'aimais pas la Tesla Model 3 dans le design, dans la version précédente. Je trouve que le restylage l'a beaucoup plus rendue plus fine, plus agressive, plus dynamique. Et maintenant, je la préfère à la Model Y, par exemple. Donc, je serais très honnêtement… Mais je pense que le restylage de la Y va lui faire beaucoup de bien. On verra. Ouais. Mais en tous les cas, sur celle-là, j'adhère. Je trouve que le choix que tu as pris de coloris, en plus, le rouge est magnifique. Alors, les peintures Tesla peuvent parfois être un peu décriées, ce que celle dure ou pas dans le temps. Historiquement, la peinture blanche et la peinture noire, qui sont des peintures monocouches, effectivement, elles sont très fragiles. Et mon ancien véhicule était noir et je. Parce que toi, tu es un vrai passionné, tu les connais par cœur. Non, moi, c'est vraiment fragile. Mais là, c'est les peintures multicouches. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème, mais c'est vrai que. Mais ce problème a été rectifié quand même, c'est-à-dire qu'ils restent un constructeur jeune, donc en fait ils intègrent, ils ont une courbe d'expérience. Voilà. Bah, par exemple, le bond de qualité de fabrication qu'on va voir après à l'intérieur, tu prends les premières, tu prends celle-là, ça n'a rien à voir. Là maintenant, la pluie à rougir. L'amortissement, le plaisir de conduite, enfin tous ces aspects-là sont… Voilà, Mon deuxième petit point, parce que du coup c'est toi qui me fais bosser alors que je vais me baisser, mais pardon, excusez-moi, j'ai une côte cassée, les jantes. Bah, en vrai, c'est pas grand-chose, mais elles font un peu plus sportif que les autres, je trouve. Là où tu as eu le bon goût, c'est noir et rouge. Honnêtement, c'est sans risque, ça fonctionne toujours bien. Exactement. Bon, ça, j'ai pas le choix. Les couleurs, elles sont… Ça, c'est une couleur unique. Et ça, ces clapets-là s'enlèvent. Donc, tu peux éventuellement avoir la même chose. Tu perds un petit peu d'autonomie. Tu perds quelques pourcents d'autonomie. Mais tu vois, avec le toit noir, les jantes noires, le rouge, ça fonctionne très bien. L'arrière, en fait, je vais te redire ce que j'ai dit à l'avant, c'est qu'ils ont mis une petite touche pour lui mettre un petit diffuseur arrière. Je ne l'ai pas conduit, donc j'imagine. Mais pour moi, tu as dit un truc qui est très important. C'est le plaisir de conduite. Exactement. Moi, je ne suis pas spécialement pro-Tesla. Parce que, par exemple, l'intérieur, je trouve ça un peu trop épuré. Ce n'est pas mon goût de voiture. Mais le point commun, c'est ça. C'est ça le sujet. Le vrai sujet, c'est le plaisir de conduire. Chacun y voit son milieu à sa porte. mais en plaisir de conduire, en étant objectif, alors que moi je ne suis pas spécialement pro Tesla. Parmi toutes les voitures électriques qu'on a conduites, les Tesla sont souvent celles qui ont le meilleur toucher de route. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si tu ne te retournes pas sur ta bagnole en la quittant, c'est que tu n'as pas choisi la bonne bagnole. Il faut que la bagnole te génère de l'émotion. Cette voiture-là, elle me génère de l'émotion. Donc quand je la gare, je me retourne 3 fois pour être sûr que voilà, il y a quelque chose, quoi. Et c'était pareil sur la M5 V10, c'est une voiture qui me procurait de l'émotion, ne serait-ce que même à l'arrêt, quoi. On va aller faire un petit tour. Avant ça, on va remercier le sponsor de la vidéo, parce qu'on a discuté, d'ailleurs j'ai oublié d'en parler. On remercie Ovoko. Ovoko, c'est quoi? Tu connais Ovoko? Je l'ai vu grâce à vos vidéos. Bah, vous allez avoir un lien de site en description. Globalement, tu as une voiture un peu plus ancienne, tu dois la faire réparer, tu vas acheter des pièces toi-même pour éviter d'aller dans un garage, dans une concession, pour économiser de l'argent. Eux, ils ont créé un truc malin, en plus toi qui avais une start-up, ça doit te parler. Ils ont créé un agrégateur où en fait tu as 5000 garages qui sont connectés dessus, tu as 5000 casques qui sont connectés dessus, ils ont un stock de 20 millions de pièces. Et en fait, eux, ils te disent, les clients notent les garages en disant tu peux y aller, tu peux commander. Eux, ils s'assurent que tu la reçois dans un bon délai. Tu as un satisfait ou remboursé si la pièce n'est pas de bonne qualité. Ils connaissent les prix, donc ils t'obligent à te mettre aussi à un bon prix. Et en fait, ils t'apportent une liquidité et un professionnalisme à un marché où il n'y en avait pas beaucoup. Et honnêtement, c'est plutôt bien foutu. Tous les vendeurs sont notés. Donc si vous avez envie d'utiliser, utilisez le lien, allez cliquer pour découvrir. C'est comme ça qu'ils jugent, ils sont contents de bosser avec nous. Dans tous les cas, on les remercie d'avoir participé à la vidéo. On rentre à l'intérieur et on va conduire? Allez, c'est parti. Allez. Déjà, qualité des sièges, qualité des... Ça a vraiment fait un bond en avant en termes de finition, je trouve. Alors après, faut aimer, parce que c'est très épuré. C'est très épuré. Toi, t'aimes bien? Bah bien sûr, en fait, quand tu es un peu geek, tu... Mais moi, je suis geek, par exemple. Ça me manque de quelque chose, tu vois, là qu'il n'y ait pas d'écran, là que tu n'aies pas d'écran. En fait, au quotidien, quand tu roules, ça pose pas de problème. Ok. On va y aller, justement. Ouais. Seule précision, c'est que le toit panoramique, tu vois, je l'ai caché avec un petit ciel de toit de façon à réduire un petit peu la chaleur. Ah, tu sentais vraiment que tu cuisais? Ouais. Tu avais déjà l'expérience avec l'autre? Ouais, tout à fait. En fait, je l'ai récupéré de l'ancienne voiture. Et encore une fois, voilà. Enfin, moi, je ne suis pas un fanatique de Tesla. J'adore Tesla. Tesla, il y a des choses qui doivent encore améliorer. Là, typiquement, je pense que le toit vitré panoramique, il faut qu'il l'améliore un peu. Comme un peu chez Renault avec le Solar B qu'ils ont fait, je crois, avec Saint-Gobain. Saint-Gobain, où a priori, la chaleur entre un peu moins. Ok. C'est ça. Qu'est-ce que tu as d'autre comme autre défaut? Tu t'es lancé sur les défauts que tu verrais de ta... La Tesla Model 3. Oui, il y a un sujet... Clignotant? Alors oui, c'est l'absence de commodo, tu t'y fais bien. Par contre, en France, il y a beaucoup de ronds-points, et donc forcément, dans les ronds-points, c'est pas très adapté. Malgré tout, tu as des... Je les ai pas encore achetés, mais je vais le faire. Des sexy buttons, qui sont en fait des petits raccourcis que tu peux mettre un peu où tu veux, qui permettent d'actionner n'importe quelle fonctionnalité à partir d'un bouton de shortcut. Ok. Voilà, donc tu peux, par exemple, mettre un bouton ici, gérer tout ce qui est ventilation, tout ce qui est, enfin, tout ce que tu veux. C'est une boîte qui fait ça, c'est une boîte qui est bulgare et qui a développé ça, qui vend ça dans le monde entier. Ça vaut cher? Non, ça vaut 200 €. Et ça te permet d'avoir 4 boutons et que tu actionnes ce que tu veux. Donc tu vas actionner... le préconditionnement de la batterie, tu peux actionner les clignotants, tu peux actionner l'ouverture du coffre, la fermeture du coffre, enfin tu actionnes ce que tu veux. Tu l'avais sur l'autre? Ouais, exactement. Et c'est facile à installer? Tu l'as installé? Ah, c'est très facile à installer, je l'ai installé moi-même, c'est très facile à installer. Ça s'installe en 10 minutes et typiquement je pense que pour les clignotants, je vais les installer, je vais installer un bouton un peu ici pour pouvoir dans un rond-point jouer les clignotants. Bon, pour l'instant, je m'y fais plutôt pas mal, mais c'est vrai que dans un rond-point, quand tu croises les mains, que tu fais la vaisselle, c'est un peu compliqué de retrouver ces petits. Mais voilà, c'est les petits défauts que tu peux avoir. On va faire un peu de pub pour Jean au passage, pour raconter un peu l'envers du décor, mais passer très rapidement. Mais c'est important. On était, alors, au-delà je ne l'aurais pas acheté s'il n'y avait pas eu PCA Services. Bon, tu fais encore mieux. Toi, tu l'as acheté en tant qu'entreprise, tu l'as acheté sur ta boîte. Oui, tout à fait. Tu l'as acheté via Jean. Et pourquoi tu ne l'aurais pas pris s'il n'y avait pas eu PCA Services? Explique-moi. Parce que là, j'ai réussi à trouver une mensualité à 700 € et par donc, mois, sans apport. Si, si, il y avait un apport, mais psychologiquement, en fait, quand j'ai contacté les équipes de PCA, oui, j'ai compris que c'était un intermédiaire, un courtier. Oui, tout à fait. Donc, ils vont te chercher les meilleures offres. Voilà, donc je me suis dit un courtier se rémunère, donc je vais, en parallèle de cette offre, contacter les leaders en direct. Petit malin. Non, mais je vais pas tous mes œufs dans le même panier, donc oui, je vais le challenger. Et j'ai contacté les Arval, j'ai contacté la SG, j'ai contacté un petit loueur qui est une filiale de caisse d'épargne aussi, pour challenger. Et ils m'ont trouvé un acteur que je n'aurais pas eu l'idée d'interroger, qui était 30% moins cher. 30% moins cher sur la mensualité. PCA t'a trouvé, parce que les gens ne vont pas comprendre. Et c'est PCA qui l'a trouvé. Donc du coup, j'ai aucun problème à rémunérer PCA. Et je ne sais pas combien ils se rémunèrent, ça ne me regarde pas. Mais toi, in fine, c'était moins cher. Exactement. Et ils ont une force de frappe, ils ont beaucoup, j'imagine, beaucoup de volume qui leur permet d'avoir des meilleurs prix. Et surtout, ils ont trouvé le Crédit Agricole que je n'aurais pas été, interrogé tout seul. En fait, voilà, pour dévoiler l'envers du décor, Jean est le premier courtier, PCA, c'est le premier PCA Service, pour ceux qui ne nous connaissent pas de la chaîne, Jean intervient souvent sur la chaîne, c'est le premier courtier en location longue durée en France. Pour le moment, c'est plutôt destiné aux professionnels. Et donc en fait, il fait plusieurs milliers de véhicules. C'est le premier, c'est le plus gros. Donc lui, il a accès à des prix que toi tout seul, exactement, auxquels tu n'as pas accès. Et il interroge plein de courtiers que tu n'interroges pas, avec qui tu n'as pas de relation. Exactement. Lui, il va aller chercher des courtiers qui ne seront pas accessibles parfois à toi quand si tu voulais avoir la même démarche tout seul. Exactement. Et en plus, par exemple, chez Tesla, bah, quand tu as un problème ou pour chercher, tu n'as souvent pas grand monde au téléphone. Bah, si tu appelles PCA, quand PCA va appeler BMW, quand PCA va appeler Tesla, quand PCA va appeler Renault, bah, quand la personne de chez BMW, elle les croche, elle sait que PCA, c'est 500 voitures à l'année, probablement des plus gros en France, fait attention. Et au quotidien, dans la gestion de ton leasing, tu as aussi un interlocuteur plus facilement joignable qu'une banque, etc. Donc, il y a un vrai. Sachant que tu ne connais pas spécialement Jean, toi. Non, je ne connais pas Jean, je n'ai jamais rencontré Jean. Voilà, c'est pas du tout une pub. J'ai l'impression de le connaître parce que je le vois dans vos vidéos, mais je ne le connais pas. Oui. Je ne l'ai jamais rencontré. Et pour la petite histoire, pour raconter notre vie, après on va aller prendre le volant et on va passer très rapidement. On s'est connus dans une autre vie où on avait tous les deux des startups qui étaient des moyens de paiement pour les voitures d'occasion. Qui étaient concurrentes. Et on était concurrents. Et on avait tous les deux une boîte similaire. Qui était concurrente et on a tous les deux ça s'est bien fini. Tu as revendu au Bon Coin, j'ai revendu à une banque et on a contribué effectivement à ce que le chèque de banque, qui est un moyen de paiement sur année, finalement se digitalise et avec des paiements qui est moins d'arnaque. Donc c'était quand même le but en tout cas le but du jeu et donc l'amitié naît souvent dans la rivalité, comme on dit. Donc et un petit big up à Sylvain qui opère Cash Chantinal, qui était le troisième acteur, qui lui est parti plutôt en B2B, qui a eu beaucoup plus de patience que nous puisqu'il est encore dedans. Et là, l'irréductible gaulois mais qui est suisse. Voilà, le gaulois suisse mais qui a une vraie progression et donc bravo à lui et on lui souhaite une belle carrière pour sa société. On y va, on va conduire. Allez, c'est parti. Donc tu vois. Explique-nous ce que tu vois avant qu'on démarre. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre une modèle perf? Qu'est-ce que tu as comme accès, comme option par rapport à une… Tu vas en fait ici avoir dans le mode dynamique le mode inouï, donc le mode insane que tu n'as pas sur les autres. D'accord. Qui est là vraiment le mode, qui est le mode très sportif. Tu as également un mode piste. Ça te change la suspension, j'imagine? Ça te change la… Ah oui, non, mais le mode inouï, qui est une traduction de insane. Assez mal traduit, pas très bien traduit selon moi. D'ailleurs, la voiture, je l'ai renommée Insane parce que voilà, et parce que tu donnes un petit nom à ta Tesla. Là, vraiment, tu exploites la toute puissance, pleinement la puissance du véhicule. En termes d'amortissement également, tu as un amortissement en fait adaptatif, donc tu peux choisir entre le sport et le standard. Et après, tu as le mode piste que tu n'as pas sur les autres versions. Ok. 0 à 100 en 3 secondes. 3 secondes 1, 460 chevaux et surtout tu as du couple. Ouais, je pense que effectivement. 4 secondes 1, 911. Voilà, certaines Porsche. Mais surtout tu as du couple en permanence quoi. C'est ça la plus grosse différence. En tout cas moi la première fois que j'ai été scotché dans une Tesla, c'est que dans un thermique tu fais fonde 1, fonde 2, fonde 3. À chaque fois que tu passes un rapport, tu reprends un peu de ton souffle. Là il n'y a pas de. Ça s'arrête jamais. Et donc au début tu te dis mais ça fait un choc. Personnellement je trouve ça limite trop. Parce qu'en fait, quelqu'un du quotidien n'a pas besoin d'une voiture qui fait le 0 à 100 secondes. Ça peut, mais les Tesla que tu roules, que tu croises, tu as vu, elles ne roulent jamais de façon agressive. Jamais à fond. En fait, ça pèse. Allez, on y va, parce que sinon, on va discuter. Déjà, je pense qu'on fait on est tous les deux bavards. Je pense qu'on fait la vie. C'est la première fois qu'on va avoir beaucoup de montage sur cette vidéo parce qu'on est bavard. Alors tu me dis quel itinéraire tu préfères qu'on emprunte? Tu vas aller à gauche, on va faire le tour de la place. Très bien. Bon, naturellement, on ne pourra pas exploiter le véhicule dans des conditions urbaines. Nous, on en fera un essai. On en fera un essai nous-mêmes. Là, c'est pour avoir ton ressenti. Qu'est-ce que tu aimes bien? La tenue de route est précise, le confort, on va passer par là. Ouais, c'est en fait c'est un tout, mais effectivement, tu as un ressenti sur la route, tu as des informations qui remontent, tu as un agrément qui est vraiment très bon. J'aime beaucoup dans les clignotants le fait d'avoir en fait la caméra qui facilite les angles morts. Tu as ça fait partie d'une mise à jour d'ailleurs. Au début sur l'ancien modèle que j'avais, par exemple, je n'avais pas cette option là et cette fonctionnalité là, cette feature comme on dit dans le digital, est arrivée avec une mise à jour de l'OS pour les plus geeks d'entre nous. Comme sur un iPhone où quand tu mets à jour l'OS, tu vas avoir de nouvelles fonctionnalités. Ben, c'est pareil chez Tesla. Ils sont les plus à la pointe là-dessus. Tout le monde maintenant le fait. Voilà. C'est-à-dire que les mises à jour over d'hier, les OTA, mais c'est les plus en avance et ça change vraiment la voiture. Ils les font de façon native, c'est-à-dire qu'ils les font de façon régulière avec des vraies fonctionnalités. Tu as toujours une mise à jour de printemps, une mise à jour de Noël où tu as des nouvelles fonctionnalités. On va aller tout droit. Ouais, tu as à peine touché à l'accélérateur. J'ai à peine touché à l'accélérateur, mais c'est scotché au siège. Voilà, ma côte a senti. Alors c'est la côte qui fait l'alerte. C'est la côte cassée qui a fait l'alerte. Dans les stages de pilotage, le SP c'est le coup de coude, tu sais, le moniteur qui met un coup de coude au pilote. Voilà, autre question, conduite autonome. J'ai l'impression qu'ils avaient, en fait ce qui se dit en ce moment, c'est qu'ils avaient beaucoup d'avance et qu'ils sont en train de complètement perdre cette avance parce qu'elle est un peu moins fine. Il y a des choses assez énervantes. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu peux avoir des freinages intempestifs, mais c'est assez rare. Sur un parcours de 500 km, tu vas en avoir un ou deux maximum. Ouais. Et après, de façon globale, les Chinois font un gros travail, mais l'IA va permettre… Enfin, je pense que le robotaxi de Tesla va être dévoilé en octobre. Je pense que le véhicule autonome va arriver… Oh la vache ! Le véhicule autonome va arriver… et là, j'ai accéléré à 50%, tu vois, et à 50%, je peux te dire qu'il y a des moments… Il y a des moments. J'étais pas prêt, salopard. Non, mais il y a des moments où tu peux même perdre connaissance. Moi, ça m'est arrivé une ou deux fois de me faire peur parce que tu vois, là, on était à 10-20 km/h, donc on était lancé. Et là, tu es vraiment en pleine puissance. Et donc, tu peux vraiment à un moment être un peu étourdi. Voilà, perdre connaissance, j'exagère un peu, mais tu peux être un peu étourdi. Alors, tellement que ça envoie. Perdre connaissance, c'est vrai que c'est un peu. J'exagère. Mais tu peux être étourdi. On a testé la Tesla Model S Plaid, qui me permet d'ailleurs de faire un hommage parce qu'il y a quelqu'un qui a perdu la vie, Jean-Baptiste de Sors, avec cette voiture-là, qui nous regarde là où on l'embrasse. Avec la Plaid. Ouais. La Tesla Model S Plaid, on a fait beaucoup de 0 à 100. Moi, honnêtement, au bout de 4 ou 5, j'avais mal au crâne. Ouais, non, mais c'est… Le couple de l'électrique est vraiment présent. Et encore une fois, même sur un modèle propulsion, tu vas prendre du plaisir de conduire. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir de conduire avec le modèle propulsion. Là, j'ai eu un coup de cœur sur ce modèle-là. Parce que j'ai eu aussi une phase d'adaptation et d'appréhension du véhicule électrique avec la propulsion que maintenant je profite encore plus du modèle performance. Mais même avec une 208, je suis sûr que tu prends le plus de connaissance, que tu as beaucoup plus de couple que sur un véhicule thermique. Donc en tout cas, moi, mon critère c'est ça. Donc chacun ses critères. Mais moi, ceux qui ont un critère du plaisir de conduire, vraiment, je vous invite à essayer un électrique si vous ne l'avez pas encore essayé. Et une fois que vous aurez essayé, vous pourrez juger. Mais il ne faut pas juger avant d'avoir essayé. C'est vraiment… en tout cas, moi, faites-vous votre propre idée, quoi. Je possède… J'accélère là, tout droit. Vas-y. Tu n'es pas obligé d'accélérer, mais vas-y. Bah, je vais attendre que la priorité à droite passe. Vache. Et j'étais à 50%. Hein, tu vois, enfin, c'est… Aïe. Moi, je suis ni pro ni contre électrique. Je roule moi-même en thermique. J'ai que des thermiques. Ce que tu as dit est très juste. Si vous voulez critiquer l'électrique ou faire vraiment votre opinion… J'accélère très peu parce que ça ne sert à rien en ville de fonctionner comme ça. Allez en essayer une. Par contre, nous qui en essayons toute la journée, les Tesla, en termes de toucher de route, ont encore une voire deux longueurs d'avance. Pour moi, il y en a deux qui sont très bien. C'est la Taycan de Porsche, dont je ne suis pas spécialement fan, mais je reconnais qu'en toucher de route, c'est une des meilleures. Et il y a des prix très intéressants sur le Taycan, parce que ça se vend difficilement. Oui, d'occasion, surtout d'occasion. D'occasion, vous pouvez vraiment avoir des super tarifs. Question assurance, tu payes cher? Plus cher que sur la propulsion, hein. Je paye deux fois plus cher que sur la, propulsion. Tu as une idée de prix à nous donner? Oui, je paye 110 € par mois, et sur la propulsion, je payais 55 € par mois. Oui, il faut intégrer plusieurs choses. C'est que, tu vois, par exemple, quand on parlait tout à l'heure, je savais qu'Alain allait équiper des caméras, je lui ai mis la clim pendant qu'on parlait à l'extérieur. Au quotidien, la capacité à refroidir ton véhicule en plein été avant d'arriver dans le véhicule, à le réchauffer en hiver, avec, quand tu arrives dans le véhicule avec le siège chauffant, la température qui va bien et le volant chauffant, tu es encore mieux que chez toi. Bon, l'appli joue un grand rôle dans la relation que tu as avec ton véhicule. Ça veut dire que la relation que tu as avec ton véhicule change. Ça, c'est très vrai. Mais ça change la relation que tu as avec ton véhicule. La localisation, le fait de pouvoir voir les vidéos à distance, le fait d'avoir le mode sentinelle qui, en ton absence, va filmer s'il y a un impact sur ta voiture. Toutes les fonctionnalités qui ont été développées dans l'appli changent la relation que tu as avec ton véhicule. Donc, au-delà du véhicule en soi, c'est la relation que tu as avec ta voiture qui change. Et donc, c'est vrai qu'on aurait du mal à sortir de chez Tesla le temps que les autres constructeurs se rattrapent. Je pense que les Chinois vont être les premiers. D'ailleurs, Elon Musk dit que ses plus gros concurrents sont les Chinois. Ils sont en avance, ils travaillent très dur. Ce n'est pas les Européens qui le font peur, c'est les Chinois. Une vidéo pour essayer, c'est la XPeng, a priori, qui a très bonne réputation. Ouais, XPeng, ils sont très en avance. BYD fait très fort. Mais tu as 120 constructeurs de véhicules électriques chinois. 120. La même chose qu'au début du siècle dernier en Europe sur le thermique. Donc, il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, moi, je suis intimement persuadé que si Tesla a fait un facelift de son Model 3, c'est pour la Chine. Parce que c'est les Chinois qui sont exigeants, c'est les Chinois qui font face à une compétition de constructeurs domestiques beaucoup plus forte qu'en Europe. S'il n'y avait eu que l'Europe ou les US, ils n'auraient pas eu besoin de faire un facelift aussi fort et aussi tôt. Là, sur le facelift, tu as 50% de pièces nouvelles par rapport à l'ancienne version. La finition a vraiment fait, par contre. C'est criant. Oui, c'est... Moi, je ne m'en plaignais pas. Je m'en plaignais pas, j'étais pas voilà. Bah, ceux qui ont envie de voir, allez voir la vidéo de la Tesla S de Jean, quand même les trucs de finition. Oui, alors le modèle S, il a été développé vraiment 2012-2013, donc. Là, elle est plus que très au point. On va s'arrêter là. Je vais te serrer la poigne. Merci. Et merci à tous, merci à toi. Merci à vous. Si vous avez envie de venir nous présenter votre voiture, vraiment quelle que soit votre voiture, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Vous êtes toujours le bienvenu. La bise à mamie, le petit pouce bleu, on s'abonne, le petit commentaire. Et un merci aux équipes de Cent Bornes parce qu'on a vraiment l'impression de passer du temps entre potes quand on vous écoute. J'aime beaucoup votre chaîne, donc bravo à vous. Alors qu'en vrai, on se déteste. Hein. En dehors de la caméra, dès qu'on coupe, ouais, ça se voit, on peut pas se voir. Allez, on s'envoie des messages tous les jours, mais ça se voit. À très vite. Au revoir.